Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Cambodge. Alors je pense que vous savez tous que le Cambodge est un pays martyr. Après avoir combattu aux côtés des Américains, pendant les guerres du Vietnam, celui-ci fut livré à l'arbitraire communiste. En effet, de 1975 à 1979, les Khmer Rouges qui avaient pris le pouvoir ont massacré plus d'un million d'hommes. Ils ont, par exemple, vidé la capitale, Phnom Penh, de tous ses habitants. Ils les ont dirigés vers des camps de la mort pour la simple raison qu'ils avaient été en contact avec des Occidentaux. J'ai essayé pendant très longtemps de m'infiltrer en territoire Khmer Rouge, en vain. J'ai d'ailleurs eu d'énormes problèmes avec les Thaïlandais, qui voit d'un très très mauvais œil les journalistes qui tentent de pénétrer au Cambodge. Le Cambodge qui est maintenant dénommé Kampuchea par ses nouveaux maîtres. La guerre fit alors rage entre le Vietnam communiste d'inspiration soviétique et la clique maoïste installée à Phnom Penh. Alors nous sommes en novembre 1979, cela fait maintenant 4 ans que la terreur règne au Cambodge. Avec l'offensive vietnamienne, les Khmer Rouges ont abandonné Phnom Penh. Ils refluent vers le massif des Cardamones, où ils organisent une résistance. La population cambodgienne peut enfin fuir en Thaïlande. Je pars pour un hebdomadaire français nommé VSD. Arrivé à Bangkok. La situation s'est compliquée. L'armée thaïlandaise boucle complètement la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Il y a même eu quelques affrontements avec l'armée vietnamienne qui vient d'arriver à la frontière. Alors moi, j'arrive à passer entre les mailles de la police. Arrivé à la frontière cambodgienne, où quelques camps de réfugiés sont installés à la hâte par des sœurs. Partout dans cet immense camp de réfugiés, des visages complètement hagards. J'essaye de parler avec certains, en vain. Ils me regardent, les yeux complètement vides. Et là, je dois dire, j'ai été pris d'une angoisse terrible. Qu'avaient-ils vu? Qu'avaient-ils subi pour être dans cet état? Au centre du camp, des sœurs ont regroupé des enfants terrorisés et affamés. Alors voilà quelques photos pour témoigner de la folie meurtrière de Pol Pot et de sa clique. Pol Pot, le dirigeant Khmer Rouge.
En essayant de rentrer en France, je fus pris à partie par les Thaïs, par la police thaïlandaise, et emprisonné. C'était vraiment très, très sportif d'aller en Thaïlande à ce moment-là, en tant que journaliste. J'espère que ce récit a pu vous plaire. Et puis n'oubliez pas le pouce. Et à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.